soit à nos mains ce matin. Worship you. Pour t'adorer. To exalt your name. Pour exalter ton nom. To glorify your name. Pour glorifier ton nom. We say yes, you are Lord. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. For there's none like you. Car il n'y a personne comme toi. In the heavens. Dans les cieux. Above. Au-dessus. And in the earth. Et sur la terre. You are the one and only God. Tu es le seul et unique Dieu. Who created all the universe. Qui a créé tout l'univers. And all that is within. Et tout ce qu'elle renferme. That is why. With meekness and gladness of heart. C'est la raison pour laquelle, avec douceur et humilité du cœur, we come before your throne this morning. Nous venons devant ton trône ce matin. To receive from you. Pour recevoir de ta part. Holy Spirit. Saint-Esprit. Speak to us. Parle-nous. Let your word have a free course. Que ta parole nous soit révélée. Let every heart here be a good ground to receive the seed of the word. Que chaque cœur présent ici soit une bonne terre pour recevoir la semence de ta parole. And let your word bear fruit in our life. Afin que nous puissions porter des fruits dans notre vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Just tell your neighbor, you're welcome to the right place. Dis à ton voisin, sois la bienvenue, tu es à la bonne place. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Last week, la semaine dernière, you spoke about the church. Nous avons parlé de l'église. Of Jesus Christ. De Jésus-Christ. And the Holy Spirit ministered to us. Et le Saint-Esprit nous a rendu ministère. To reveal to us what the church is. Afin de nous révéler ce qu'est l'église. And how the church must be. Et comment l'église doit être. We know that the church belongs to Jesus. Et nous nous rappelons que l'église appartient à Jésus. And Jesus said, I'll build my church. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. And the gates of hell shall not prevail. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. So it means, et donc ça veut dire that Jesus is building his church. Que Jésus bâtit son église. Others are also building their church. Et qu'il y a aussi d'autres personnes qui bâtissent leur église. But the church of Jesus, mais l'église de Jésus, which is the body of Christ, qui est représentée, qui représente le corps de Christ, has many members, a plusieurs membres. And each of us are members of the body of Christ. Et chacun d'entre nous est membre du corps de Christ. The Bible tells us. La Bible nous dit in Romans 10 verse 17, dans le livre de Romains 10 à partir du verset 17, so then faith comes by hearing, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, and hearing by the word of God. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. You see, you cannot walk with God. Voyez-vous, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. If you don't have faith in God. Si vous n'avez pas la foi en Dieu. You can never please God. Vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu. If you don't have faith in God. Si vous n'avez pas la foi en Dieu. Faith. La foi. God says, whosoever comes to me, la Bible dit que quiconque vient vers moi must believe that I am God. Doit croire que je suis Dieu. That's God himself. C'est Dieu lui-même. Speaking to us. C'est Dieu lui-même qui était en train de nous parler. So, anyone who comes to me, il dit que quiconque s'approche de moi, anyone who says I am God,
Quiconque dit que je suis Dieu must believe that I'm God. Doit croire que je suis Dieu. How? Comment? That means you must believe that anything that God says is true. Donc tu veux, donc ça veut dire que tu dois croire que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Hallelujah. Any word that has come out of the mouth of God. Toute parole qui sortira de la bouche du serviteur de Dieu. The mouth of God. De la bouche de Dieu. The word of God. C'est-à-dire la parole de Dieu. Is true. Est la vérité. Jesus said, "My word is spirit and life." Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. So the word of God is true. Et donc la parole de Dieu est la vérité. The word of God is God. La parole de Dieu est Dieu. And God says. Et Dieu dit. Whosoever comes to me. Quiconque s'approche de moi. Must believe that I am God. Doit croire que je suis Dieu. If you are part of the body of Christ. Et donc si tu fais partie du corps de Christ. Then you must believe. Alors tu dois croire. In the God whom you serve. Tu dois croire au Dieu en qui nous servons. And he says, I am God. Et il dit, je suis Dieu. I am Almighty. Je suis tout puissant. I am omnipotent. Je suis omnipotent. I am omniscient. Omniscient. I am who I am. Je suis qui je suis. So you must believe in God. Et donc tu dois croire en Dieu. And how can you believe in God? Et comment est-ce que tu peux croire en Dieu? How can you go know God? Comment est-ce que tu peux connaître Dieu? Through his word. C'est par sa parole. It's through the word of God. C'est par la parole de Dieu. That you will discover. Que tu découvres. Who God is. Et en découvrant, tu sauras qui est Dieu. And two cannot walk together. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Except they agree. Sans s'accorder. So God says. Et donc Dieu dit. If you don't have faith. Si vous n'avez pas la foi. You cannot please. Vous ne pouvez jamais lui être agréable. And if you cannot please God, et si vous ne pouvez pas être agréable à Dieu, it means God also has no pleasure in you. Ça veut dire que Dieu ne vous est pas aussi agréable. So he said, without faith, et donc il dit, ayez la foi. And without faith, you cannot please God. Et il dit aussi que sans foi, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. So therefore, what is faith? Et donc, quelle est la foi? La foi, c'est quoi? Faith, la foi, is believing in the word of God. C'est le fait de croire en la parole de Dieu. And jumping over the word of God. Et de agir selon la parole de Dieu. That is faith. Voici la foi. Therefore, you believe. C'est pourquoi vous croyez. What God has said. En ce que Dieu a dit. Even though, tant même que, you have not yet seen it. Vous n'avez pas encore vu. And once you believe, et dès que vous croyez, you will see it physically. Vous le verrez physiquement. Hallelujah. Amen. You must believe the word. Vous devez croire en la parole. Before seeing it physically. Avant de voir la manifestation physique. Jesus told Thomas. Jésus a dit à Thomas. When Thomas said, "Unless I see Jesus." Parce que Thomas avait dit auparavant, tant que je ne vois pas Jésus. And I make my put my hands. Et tant que je ne mets pas mon doigt là où il a été percé. On the side where he was pierced. Et sur son côté, là où il a été percé aussi. I will not believe. Je ne croirai pas. When Jesus appeared. Et donc quand Jésus est apparu. Jesus said to Thomas. Jésus a dit à Thomas. Blessed are those who believe. Heureux sont ceux qui croient. And have not yet seen, but they believe. Sans avoir vu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible says faith comes by hearing. Et la Bible dit que la foi vient parce qu'on entend. You see, when we hear the word of God. Voyez-vous, quand nous entendons la parole de your Dieu. Your faith is built up. Notre foi est bâtie. And God says he's a rewarder of those who diligently serve him. Et Dieu lui-même a dit qu'il est le il est celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. So faith comes. Et donc la foi vient by hearing. À ce qu'on entend. And hearing what? Et ce qu'on entend, c'est quoi? The word of God. C'est la parole de Dieu. So faith comes. Et donc la foi vient by hearing the word of God. En entendant la parole de Dieu. So the church of Jesus Christ. Et donc l'église de Jésus-Christ is a church. C'est l'église of faith. It's a church of faith. C'est une église de foi. It's a church that is built on the word.
qui est bâti on the word of God. Sur la parole de Dieu. Hallelujah. Many people give testimonies. Plusieurs personnes ont donné leur témoignage. And you keep on hearing testimonies. Et nous continuons à entendre des témoignages. That's why I give this introduction. C'est pourquoi je vous ai donné l'introduction. Your testimony will come. Que votre témoignage viendra. Only when you have faith. Seulement lorsque vous aurez la foi. Of what you hear. Dans ce que vous allez entendre. Hallelujah. The word of God comes to you. Quand la parole de Dieu vient vers vous. From the pulpit. Depuis le pupitre. You will believe it. Et que vous croyez. It will work for you. Elle marchera pour vous. God speaks to you. Dieu vous parle. You believe. Et vous croyez. In the prophecy that came. Dans les prophéties qui sont venues. It will work for you. Les prophéties marcheront pour vous. The man of God prays. L'homme de Dieu a prié. Under the Holy Ghost. Sous le Saint-Esprit. And he pronounced a word. Il a prononcé des paroles. And you believe. Et vous avez cru. Even though you have not seen it. Tant même que vous n'avez pas encore vu. It will surely come to pass. Ça s'accomplira certainement. So you have a child. Il dit que vous aurez un enfant. A year by this time. L'année prochaine à la même période. And you didn't doubt. Et vous n'avez pas douté. But you believe the word. Mais vous avez cru en la parole. It shall surely come. Cette parole s'accomplira certainement. Hallelujah. Hallelujah. So faith. Et donc la foi comes by hearing. Vient de ce qu'on entend. And hearing. Et ce qu'on entend. Is by the word of vient God. Vient de la parole de Dieu. So where do we hear the word of God? Où est-ce que nous pouvons entendre la parole de Dieu? We hear the word of God. Nous entendons la parole de Dieu. From the house of God. Dans la maison de Dieu. From everywhere. De tout that they are preaching the word of God. De tout endroit qui prêche la parole de Dieu. Everywhere. Tout endroit. That the word of God is being spoken. Où la parole de Dieu est déclarée. That is why. C'est pourquoi. In the church of Jesus Christ. L'église de Jésus Christ. You must always have a book and a pen to write. Vous étant église de Jésus Christ, membre du corps, vous devez toujours avoir un livre, un carnet et un stylo pour prendre des notes. Hallelujah. Dites amen. Amen. Do you believe in that? Est-ce que vous croyez en cette parole? Do you believe in that? Est-ce que vous croyez à cette parole? Amen. You see, Jesus always spoke to multitudes. Voyez-vous, Jésus parlait tout le temps à des multitudes. So many people. Plusieurs personnes. Speaks to them in multitude, to the multitude. Et parlait à la multitude. And when he finishes. Et après avoir fini. He comes and he gathers the disciples. Il rassemblait ses disciples. And he teaches them. Et les enseignait. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He always spoke to the multitudes. Il parlait tout le temps à la multitude. And he taught the disciples. Et ensuite, quand il s'agissait des disciples, il les enseignait. And Jesus said, et Jésus a dit, unto them, à eux, we speak in parables. Nous leur parlons en paraboles. But unto you, mais à vous, the mysteries, les mystères of the kingdom, du royaume, is revealed, sont révélés. Hallelujah. So in the church of Christ, donc l'église de Christ, we don't speak in parables. Nous ne parlons pas en paraboles. We don't speak to multitudes. Nous ne parlons pas à des multitudes. We speak to disciples. Nous parlons à des disciples. Disciples, les disciples. The word disciple means students of Christ. Le mot disciple veut dire étudiant de Christ. Hallelujah. We speak to disciples. Nous parlons à des disciples. We bring them the revelation of the word. Nous les apportons la révélation de la parole. And they have to write it down. Et ils doivent enregistrer tout ce qui est dit. As you write, en écrivant, and then you read over and over. Et ensuite, après, vous allez relire et relire. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, will continue to teach you. Continuera à vous enseigner. Will continue to reveal the deeper things in the Word to you. Il continuera à vous révéler les choses profondes de la parole. And you become spiritually strong. Ensuite, vous deviendrez spirituellement fort. Hallelujah. Spiritual maturity, la maturité spirituelle, comes from the amount and knowledge of word that you have. Vient de la quantité de la parole que vous avez. Spiritual maturity, la maturité spirituelle, comes vient from the revelation that you have. De la révélation que vous avez. So you must always have your Bible. Et donc vous devez toujours avoir votre Bible. You must have something to write. Vous devez avoir un carnet pour écrire. It is yours. Ça vous appartient. Even as you come to church, même en venant à l'église, or any meeting, ou à un rassemblement,
As the man of God is speaking, tandis que la parole de Dieu sera parlée, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, will also speak to you. Vous parlera aussi à vous. He can even teach you something that I don't have. Il peut même vous enseigner quelque chose que moi je n'ai pas. As you listen to me, étant en train de m'écouter, and I'm speaking to you, et je suis en train de vous parler, as I'm preaching, tandis que je suis en train de prêcher, or teaching, ou en train d'enseigner, I will say something. Je dirai quelque chose. Then the Holy Spirit, ou le Saint-Esprit, will give you, vous donnera, a deeper thing of what I said, une révélation plus profonde de ce que moi-même je suis en train de dire, for you, pour vous-même, and you have a solution, et vous aurez la solution, to something, à quelque chose, that you have been thinking of for a long time, quelque chose qui vous a perturbé depuis longtemps. Hallelujah. Hallelujah. Do you think it's a good thing to do? Croyez-vous que c'est une bonne chose à faire, le fait d'enregistrer tout ce qu'on vous dit comme enseignement? Is it a good thing? Est-ce une bonne chose? If it's a good thing, just clap unto the Lord. Si c'est une bonne chose, acclamez le Seigneur. Hallelujah. We continue with our teaching. Nous continuons avec notre enseignement. Of the Church of Jesus Christ. De l'Église de Jésus Christ. Let's read from 1 Timothy 3 verse 15. Lisons le livre de 1 Timothée 3 à partir du verset 15. 1 Timothy 3 verse 15. 1 Timothée 3 verset 15. Paul was speaking to Timothy. Paul parlait à Timothée. And Paul said, et Paul a dit, that if I tarry long, that thou mayest know how you ought to behave yourself in the house of God. Si je tarde, il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Hallelujah. He said, Timothy. Il dit, Timothée. If I tarry, si je tarde, before coming, avant que je vienne, I want you to know, je veux que tu saches, how you have to behave yourself, comment te comporter, in the house of God, dans la maison de Dieu, which is the church of the living God, qui est l'église du Dieu vivant, and the pillar and the ground of the truth, la colonne et l'appui de la vérité. Hallelujah. Hallelujah. So the church, et donc l'église, one, numéro un, is the house of God, est la maison de Dieu. Say the church is the house of God. Dit l'église est la maison de Dieu. So the church is God's house. Et donc l'église c'est la maison de Dieu. And we as children of God, et nous en tant qu'enfants de Dieu, we are a family. Nous sommes une famille. Hallelujah. Hallelujah. So the church, one, is God's house. Et donc l'église est premièrement la maison de Dieu. And in God's house, et la maison de Dieu, you have God's children. Rassemble les enfants de Dieu. And in God's house, et dans la maison de Dieu, there's a way, il y a une façon, une manière, to behave, de se conduire, to comport yourself, de se comporter. Hallelujah. So he said, Timothy, donc il a dit Timothée, if I tarry before coming, si je tarde avant de venir, I want you to know, il faut que tu saches, how to behave yourself, comment te conduire, in the house of God, dans la maison de Dieu, which is, qui est, the church, l'église, of the living God, du Dieu vivant. So the church, et donc l'église, is the church of the living God, est l'église du Dieu vivant. We serve a living God. Nous servons un Dieu vivant. The church, l'église, is the body of Christ, est le corps de Christ. The church, l'église, is the house of God, est la maison de Dieu. Hallelujah. Dis amen. And we are, et nous tous, are members, nous of sommes the body, des membres. Souvenez-vous. And each and every one of us, que chacun d'entre nous, if you are filled with the Holy Ghost, rempli du Saint-Esprit, it means God is living in you. Ça veut dire que Dieu vit aussi en toi. Hallelujah. So your body, et donc ton corps, is the house, est la maison God, de Dieu. And as we are gathered here, et étant rassemblés ici, as the body of Christ, comme le corps de Christ, we are in the house of God. Nous sommes la maison de Dieu. Hallelujah. Is that the house of the living God?
la maison du Dieu vivant. And he says this house, et il dit aussi que cette maison, the church, l'église, is the pillar of truth, est la colonne de vérité, and the foundation, et l'appui. Hallelujah. So the church, et donc l'église, in Jesus Christ, de Jésus-Christ, is the pillar, est la colonne, and the ground, et l'appui, of truth, de vérité. Hallelujah. Hallelujah. So it means that in the church, et donc ça veut dire que dans l'église, what we teach, ce que nous enseignons, what we preach, ce que nous prêchons, what you must hear, ce que vous devez entendre, must be the truth, doit être la vérité, and nothing, et rien d'autre, but the truth, que la vérité. Hallelujah. In the church, dans l'église, what must be taught, ce qui doit être enseigné, must be the truth, doit être la vérité, and nothing but the truth, et rien d'autre que la vérité. It is the foundation, c'est l'appui, the pillar, et colonne, of truth, de vérité, to put up a great edifice, pour bâtir une très grande construction. It depends on the foundation. La construction dépend de la fondation d'abord. Hallelujah. If you want to build a simple villa, si vous voulez bâtir une simple villa, you can build it maybe in 3 months. Vous pouvez la construire peut-être en 3 mois. You lay a very simple foundation. Vous posez une fondation pas profonde, très simple. And then you put on your building. Et ensuite vous commencez à mettre les briques et ça grandit. And then you put on the roof. Et après vous posez le toit. Simple, 3 months. C'est simple, en 3 mois. If you want to build a building like this, mais si vous voulez bâtir une construction comme celle-ci, like the hotel, comme cet hôtel, you cannot build in 3 months. Vous ne pouvez pas bâtir ça en 3 mois. It can take you 6 months. Ça peut vous prendre 6 mois to lay the foundation, juste pour fonder, pour baser les fondations, so that, pour que the building that will come on la construction qui s'élèvera can stand, puisse être ferme. If you want to build a skyscraper like plateau, si vous voulez bâtir des immeubles comme ceux qui sont plateaux, you need to dig deeper, et en deeper profondeur, et en profondeur. It can even take you a year or two. Ça peut même vous prendre 1 an ou 2 ans juste pour la fondation. And when you are finished, et après avoir fini, when you start putting up the edifice, quand vous commencez à bâtir l'édifice, it's fast. Ça devient rapide. Hallelujah. So in the church, et donc dans l'église, you need, vous avez besoin, to have, d'avoir a solid foundation, des fondations solides, solid foundation, une fondation très solide, the truth, la vérité. He says it is the foundation, il dit que c'est l'appui, it is the ground, c'est l'appui, it is the pillar, et la colonne, of truth, de vérité. So you need to hear the word of God. Et donc vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. You have to build a solid foundation. Vous devez bâtir une fondation très solide. Before the build a big edifice on it. Avant que la construction soit très grande. When the foundation is solid, quand la fondation est solide, the edifice is big. La construction est grande and strong. Et elle est forte. So if your Christian life is to be a solid one, et donc si vous voulez que votre vie chrétienne soit très solide, if you want to be spiritually mature, si vous voulez être spirituellement mature, if you want to operate, si vous voulez opérer in the realms of the spirit, dans le règne de l'esprit, then you need a solid foundation. Alors vous avez besoin d'une fondation très solide. And that foundation, et cette fondation, must be upon the word of God. Doit être sur la parole de Dieu. The truth, la vérité. Nothing but the truth. Et rien d'autre que la vérité. Hallelujah. Again, encore, he used, apart from the foundation, à part l'appui, he used a pillar. Il a utilisé la colonne. He said the pillar of truth. Il dit la colonne de vérité. Because when you want to grow, parce que si vous voulez grandir, when this edifice has to be big, quand cette construction devait être très grande, and if this edifice must stand, et pour qu'elle puisse se tenir ferme, the test of time, elle puisse résister à l'épreuve du temps, it must have these pillars. La construction doit avoir ces colonnes. When you build, quand vous construisez, and without these pillars, sans ces piliers, and only the bricks, et c'est seulement les briques, when the wind, a strong wind comes, si un fort vent vient,
tempest, une tempête, it can bring the building down. La tempête peut écraser, effondrer la construction. Hallelujah. If you try to build a high rise, si vous essayez de bâtir une construction très élevée, without a solid foundation, sans une fondation très solide, without pillars, et sans colonnes, I can assure you, je peux vous assurer, that when you get to a certain stage, que lorsque vous atteindrez un certain niveau, the whole building will come toute down. La construction s'effondrera. Hallelujah. That's how the Christian life is. Voici à quoi ressemble la vie chrétienne. If you have not built on a solid foundation, si vous n'avez pas bâti sur une fondation solide, if you have not received the word, si vous n'avez pas reçu la parole, if you don't have knowledge, si vous n'avez pas la connaissance, when the storms of life come, lorsque les tempêtes de la vie viendront, it will bring you down. Vous serez écrasé. You will be disappointed. Et vous serez déçu. You will be discouraged. Et vous serez découragé. The Bible says, "My people perish by lack of knowledge." Parce que la Bible aussi dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. But if you have the word, mais si vous avez la parole of truth, de vérité, you can stand. Vous pouvez tenir the test of time, contre les épreuves du temps. Hallelujah. Dis amen. Jesus said, Jésus a dit, "Whosoever hears my word, quiconque entend ma parole, and does it, et la met en pratique, I liken that person." J'aime cette personne. I liken him. Cette personne est comme, elle a ressemble, wise man, elle ressemble à un sage, who built his house, qui bâtit sa maison, on a rock, sur le rocher. If you hear my word, si vous entendez ma parole, and you act upon my word, et que vous mettez ma parole en pratique, I liken you to a wise man, je vous compare à un sage, who built his house, qui bâtit sa maison, upon a rock, sur le rocher. And when the storms came, et lorsque la tempête vient, when the rains came, lorsque la pluie vient, when the winds came, lorsque les vents viennent, he stood. Vous serez ferme. Hallelujah. Hallelujah. But the one who hears the word, mais celui qui entend la parole, and he does not act on the word, et ne met pas la parole en pratique, I liken that person to the foolish man who built upon the sand. Cette personne est comparable à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. When the storms and the winds and the floods come, lorsque les tempêtes, les vents et les inondations viendront, he falls. Sa maison s'effondrera. Hallelujah. Hallelujah. These are the words of Jesus. Voici les paroles de Jésus. He said, "Do not be only hearers." Il dit, ne soyez pas seulement des personnes qui écoutent. It is not enough. Ça ne suffit pas d'écouter simplement. When we hear, quand vous écoutez, faith comes. La foi vient. Faith arises. La foi se lève. But you act on mais it. Vous devez agir aussi. Because faith without works, parce que la foi sans les œuvres, is dead. Est morte. Hallelujah. If you hear the word, si vous entendez la parole, and you don't act on it, et vous ne la pratiquez pas, you will not see, vous ne verrez the pas manifestation of the word, les manifestations de la parole, in your life, dans votre vie. Hallelujah. So it says, if you hear my word, et donc il dit, si vous écoutez ma parole, and you act upon my word, et que vous pratiquez ma parole, you are wise. Vous êtes sage. You are wise. Vous êtes sage. No matter what comes your way, quel que soit, peu importe ce qui no matter what vous, you go through, peu importe ce que vous allez traverser, Jesus says, Jésus dit, I can assure you, qu'il peut vous assurer, the winds will come, que les vents viendront, tribulation will come, les tribulations viendront, affliction will come, les problèmes viendront, challenges will come, les défis viendront, trials will come, les épreuves viendront, but you stand. Mais vous serez ferme. Hallelujah. It will seem like there's no hope. Il semblera ne pas avoir d'espoir. But it says, mais il dit, if you act on my word, si vous pratiquez la parole, you will stand. Vous résisterez. You will stand. Vous résisterez. You will stand. Et vous serez très ferme. Hallelujah. Give the Lord a big clap of it. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. So the church, et donc l'église, is the pillar, est la colonne, and the foundation, et l'appui of truth, de la vérité. So in the church of Jesus, et donc dans l'église de Jésus, we don't come to you with enticing words of man's wisdom. On ne vient pas vers vous avec des paroles séduisantes selon la sagesse humaine. No. Non. No. Non. We don't come. On ne vient pas with stories. Avec des histoires. We don't come. On ne vient pas to mystify you. Pour vous mystifier. No. Non. The church belongs to Jesus. Parce que l'église appartient à Jésus. We don't come to teach human minds. Et nous ne venons pas pour enseigner les pensées humaines. The wisdom of man. La sagesse des hommes.
But in the church, mais dans l'église, we talk about the wisdom of Christ. Nous parlons de la sagesse de Christ. The gospel. L'évangile. The gospel of Jesus. L'évangile de Jésus. That is what is preached in the church. Voici ce qui est prêché dans l'église. Good news. La bonne nouvelle about Jesus coming. De Jésus-Christ. Who is Jesus? Qui est Jésus? What did he come to do? Qu'est-ce qu'il est venu faire? What did he leave us here to do? Pourquoi est-ce qu'il nous a laissé ici pour faire quoi? Who is Jesus? Qui est Jésus? Do you know him? Est-ce que vous le connaissez? You cannot walk with Jesus if you don't know him. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus si vous ne le connaissez pas. And you only know Jesus. Et vous connaîtrez seulement Jésus. From his word. À partir de sa parole. From his word. À partir de sa parole. From his word. À partir de sa parole. So in the church. Et donc dans l'église. Bible says. La Bible dit. Is the ground. Que l'église est l'appui. And the pillar. Et la colonne. Of truth. De vérité. Hallelujah. So the next question. Et donc la prochaine question, what is truth? C'est quelle est la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? What is truth? Qu'est-ce que c'est la vérité? That's the next question. Voici la prochaine question. The truth. La vérité. Is Jesus Christ. C'est Jésus Christ. When we read the word of God. Quand vous lisez la parole de Dieu. Let's go to John 14, verse 6. Allons dans le livre de Jean 14, le verset 6. What is the truth? Qu'est-ce que c'est la vérité? John 14, verse 6. Jean 14, le verset 6. Jesus said, Jésus dit, I am the way. Je suis le chemin, the truth, la vérité, and the life, et la vie. I am, je suis, the way, le chemin, the truth, la vérité, and the life, et la vie. I am, je suis, the way, le chemin, the truth, la vérité, and the life, et la vie. So Jesus is the way. Et donc Jésus est le chemin. No one can come to the Father. Nul ne vient vers le Père. If it's not by Jesus. Sans passer par Jésus. That's why I said there's no other name. C'est pourquoi il est écrit il n'y a aucun autre nom. Given under the earth. Donné sous les cieux. Given under the heavens. Donné sous les cieux. By which. Par lequel. A man can be saved. Les hommes peuvent être sauvés. If it's not. Si ce n'est. The name of Jesus. Le nom de Jésus. So no other name. Et donc aucun autre nom. Can bring you salvation. Peut vous donner le salut. No other name. Aucun autre nom. Can send you to heaven. Peut vous envoyer au ciel. No other name. Aucun autre nom. Except the name of Jesus. Si ce n'est le nom de Jésus. Is the way. Il est le chemin. If you want to see the Father. Si vous voulez voir le Père. Jesus said, if you have seen me. Jésus a dit si vous me voyez. You have seen the Father. Vous avez vu le Père. You want to go to the Father? Vous voulez aller au Père? I am the way. Je suis le chemin. To the Father. Vers le Père. Hallelujah. Dis amen. Hallelujah. If you are not part of the body of Christ, si tu ne fais pas partie du corps de Christ, you have not given your life to Jesus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, you are not part of the church of Jesus Christ. Tu n'es pas partie de l'église de Jésus Christ. You can't get to the Father. Tu peux pas aller au Père. Because Jesus, parce que Jésus, is the only way, est le seul chemin, to the Father, vers le Père. Hallelujah. Dis amen. Jesus says, Jésus a dit, these are his words. Voici ses paroles. He says, I am the truth. Il dit, je suis la vérité. If you want to know the truth, si vous voulez connaître la vérité, then you must know who I am. Alors vous devez savoir qui je suis. If you want to know the truth, vous voulez connaître la vérité, I am the truth. Je suis la vérité. Everything about me, tout ce qui me concerne, is truth. Est la vérité. Anything that is spoken about me, tout ce qui est parlé à mon sujet, is the truth. C'est la vérité. Anything that is written about me, tout ce qui est écrit à mon sujet, is the truth. Est la vérité. Anything that I have told you, tout ce que je vous ai dit, is the truth. Est la vérité. And nothing but the truth. Et rien d'autre que la vérité. There's no other truth. Il n'y a pas d'autre vérité. But Jesus. Que la vérité de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. So the church, et donc l'église, is built on Jesus. Est bâtie sur Jésus. The church, l'église, is built on the truth. Est bâtie sur la vérité. And he says, you will know the truth. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. And the truth, et la vérité, shall make you free. Vous affranchira.
I am the truth. Je suis la vérité. It's not only enough to believe in me. Ça ne suffit pas de croire en moi. You must know my word. Vous devez connaître mes paroles. Because my word is truth. Parce que mes paroles sont vérité. When Jesus was going to heaven, quand Jésus partait au ciel, before he went to the cross, avant d'aller à la croix, he prayed for all of us. Il a prié pour nous tous. Those who were with him at that time, ceux qui étaient infirmes à ce moment, and those who were to give their life to Jesus, et ceux aussi qui devaient donner leur vie à Jésus, after, après, including you and me, c'est-à-dire vous et moi, he prayed for us. Il a prié pour nous. The prayer of Jesus et la prière de Jésus is in John 17. Se trouve dans Jean 17. And in verse 17, et au verset 17, he said to the Father, il a dit au Père, I've given him your words. He said, the truth is the word of God. Il dit la vérité, c'est la parole de Dieu. So Father, il dit Père, sanctify them. Sanctifie-les. Through the word, par ta vérité. Sanctify them. Sanctifie-les. Through your word, par ta parole. Set them apart. Mets-les de côté. By your word, par ta parole. Your word, ta parole, is truth. Est la vérité. Hallelujah. Dis amen. Hallelujah. So you see Jesus. Et donc tu vois Jésus. Says he is the truth. Il a dit qu'il est la vérité. You can't go to the Father. Nul ne va au Père but by him, sans passer par lui. You can only go to the Father, vous pouvez seulement aller au Père by knowing the truth, en connaissant la vérité. And he says the truth, et il dit la vérité is the word of God, est la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. So the church, et donc l'église is the word, est la parole, is the pillar of the word, est la colonne de la parole. The word, la parole of God, de Dieu is that which builds you up. C'est celle-là qui vous bâtit, qui vous the construit. Word of God, la parole de Dieu gives you the foundation, vous donne la fondation. The word of God, la parole de Dieu builds you up spiritually, vous construit, vous bâtit spirituellement. You start as a spiritual baby, vous commencez en tant qu'un bébé spirituel. When you give your life, quand vous donnez votre vie. But you don't have to stay there, mais vous ne devez pas rester à ce niveau. You have to grow, vous devez grandir. And the word, et la parole makes you grow, vous fera grandir. Hallelujah. Dis amen. The word, la parole is the food of the spirit, est plein de l'esprit. Is the food of the spirit. La parole est la nourriture de l'esprit. The more of the word that you have in you, autant de paroles que vous avez en vous. The more of the revelation of the word, plus vous avez des révélations de la the parole. The more of the knowledge of the word, plus de connaissances que vous avez de la parole. That you have, que vous avez. The more you grow, plus vous grandissez. Spiritually. Spirituellement. Hallelujah. It's a Father. Il dit Père. Sanctify them. Sanctifie-les. With the truth. Par la vérité, which is your word, qui est ta parole. For your word is true, car ta parole est vérité. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The word of God, la parole de Dieu, is true, est la vérité. In Acts, dans le livre de Actes 20, verse 32, le verset 32, before Paul, avant que Paul left for Jerusalem, s'en aille à Jérusalem. He met with the elders of the church. Il a rencontré les anciens de l'église. In Ephesus. De l'église d'Éphèse. And then he said, et il a dit, in Acts, what did I say? Act 20. Yes. Dans Acte 20. Yes. He met with them. Il les a rencontrés. And then he spoke to them. Ensuite, il leur a parlé. About what they must expect. De leur attente. Because he's going. Parce qu'il partait. And he was living with them. The congregation. Il, the flock. La, the church. L'assemblée, l'église. And he said to them, et il leur a dit, now brethren, et maintenant frères, I commend you to God, je vous recommande à Dieu, and to the word of his grace, et à la parole de sa grâce. I commend you to God, je vous recommande à Dieu, and to the word, et à la parole of his grace, de sa grâce, which is able, qui est capable, the word of God, la parole de Dieu, the word of grace,
La parole de grâce is able to build you up. Est capable de vous édifier. Is able to build you up spiritually. Elle peut vous édifier spirituellement. And give you an inheritance. Et peut vous donner un héritage. Hallelujah. Because the word of God is full of our inheritance. Parce que la parole de Dieu est remplie d'héritage. Everything that God has prepared for us. Tout ce que Dieu a préparé pour nous. Is in the word. Se trouve dans la parole. It's the testament. Qui est le testament. Anything that belongs to us. Tout ce qui nous appartient. Anything that the Father has left for us. Tout ce que le Père a laissé pour nous. Is in the word. Se trouve dans la parole. It is in the testament. Se trouve dans le testament. And if you don't know the testament, et si vous ne connaissez pas le testament, you cannot possess what God has left for you. Vous ne pouvez pas posséder ce que Dieu a gardé pour vous, a laissé pour vous. If your father, si votre père, is leaving this world, quitte ce monde, and he left a testament, et il vous laisse un testament, and he gave instructions to what he has given to everybody, et il donne des instructions concernant ce qu'il a donné à tout le monde, and you don't know what is written concerning you, et si vous ignorez ce qui est écrit en ce qui vous concerne, you cannot enter into your inheritance. Vous ne pourrez pas entrer dans votre héritage. Hallelujah. In the word of God, la parole de Dieu, we have our inheritance. Dans la parole de Dieu se trouve notre héritage. Tell your neighbor, our inheritance is in the word. Dis à ton voisin, notre héritage, ton héritage se trouve dans la parole. Search the word. Alors sonde la parole. Search the scriptures. Sonde les écritures. Know the word. Et connais la parole. So it will build you up. Car elle t'édifiera. And it will give you an inheritance. Elle te donnera ton héritage. In the name of Jesus. Au nom de. Give the Lord a big clap offering. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Hallelujah. So the word of God is very important. Et donc la parole de Dieu est très importante. We must know. Tu dois savoir. What the word of God says concerning us. Ce que la parole de Dieu dit nous concernant. It will build you up. Elle nous édifiera. It will transform you. Elle nous transformera. You will not be a spiritual baby. Tu ne seras pas un bébé spirituel. You will grow spiritual. Tu grandiras spirituellement. You will know how to exercise your rights. Et tu sauras comment exercer ton droit. You will know how to use the word of God. Tu sauras comment utiliser la parole de Dieu. Paul says in the book of Hebrews. Paul a dit dans le livre d'Hébreux. That you will be skillful in the word of righteousness. Que tu seras habile dans la parole de justice. Hallelujah. You know how to chase the demons. Et tu sauras comment chasser les démons. You will know how to heal the sick. Tu sauras comment guérir les malades. You know how to prophesy into your life. Tu sauras comment prophétiser même dans ta vie. You know how to speak. Tu sauras comment parler. For something to happen. Pour que quelque chose se passe. You know how to. Tu sauras comment bind and loose. Lier et délier. You know how to reject. Tu sauras comment rejeter. When the devil. Lorsque le diable wants to put something negative in your mind, j'aimerais mettre quelque chose de négatif dans ta you pensée. Know how to reject. Tu sauras comment les rejeter. Because you are skillful. Parce que tu seras habile. In the word of God. Dans la parole de Dieu. You will not be afraid. Tu n'auras pas peur. Hallelujah. Dis amen. When you hear bad news, quand tu entends une mauvaise nouvelle, you are able to change it. Tu seras capable de la changer. Hallelujah. You say not me. Tu te dis, tu diras pas moi. It's not me. Pas moi. Because the word of God says, parce que la parole de Dieu dit, I am more than a conqueror. Je suis plus que vainqueur. Not me. Pas moi. Because the word of God says, parce que la parole de Dieu dit, all things are mine. Tout est à moi. Not me. Pas moi. Because the word of God says, parce que la parole de Dieu dit, everything works together for me. Tout concourt pour mon bien. So no matter what I'm going through today, donc, quel que soit ce que je traverse aujourd'hui, I'm not down forever. Je ne suis pas en bas pour toujours. It will change. La situation changera. It will change. Elle changera. It will change. Elle changera. It will change. Elle changera. Because you know the word. Parce que tu connaîtras. Those who don't know the word. Parole. Ceux qui ne connaissent pas la parole. Those who don't know the truth. Ceux qui ne connaissent pas la vérité. When something happens to them. Lorsque quelque chose leur arrive. They are disappointed. Ils sont déçus. The devil takes authority. Et le diable prend l'autorité. And control. Et le contrôle. And destroy your life. Pour détruire votre vie. Hallelujah. But if you know the word, mais si tu connais la parole, the Bible says, la Bible dit, the righteous, le juste, shall fall seven times, tombera sept fois, but he shall rise again, mais il se lèvera encore, he shall rise again, il se lèvera encore, he shall rise again, il se lèvera encore. Ce
programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.